Bonjour à tous, c'est Rapizo, Nep et un invité de marque, Lyrix. Salut. Donc on est accompagné par deux pick-up Nef et Darnox, que je remercie au passage. Et donc on va vous montrer le dernier boss de l'instance base secrète, qui se trouve juste devant nous, ici présent. Et ouais, tout le monde est ready. Dernier boss de la première instance. Ouais, base secrète, donc l'instance niveau 21. Au niveau des classes, bah, vous voyez, on est la meute. On a fait 3 pots pourris. Et je suis sorcier. Nep, qui s'appelle Rantanplan ici, a fait un guerrier. Et Rintintin, qui est donc Lyrix, notre invité, notre quest. Joue donc Mystique, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, et toi, tu joues Dagobert donc. Ouais, ouais, je suis Dagobert. Allez, Dagobert. Ouais, ça fout le boss en même temps. Ouais. Ouais. Mais il est lent. Mais il fait des bonnes choses. Ok, il est déjà KB. Ah, donc le gameplay match qui a fait assez dynamique, je trouve qu'on peut avoir cette classe. Classe CAC. Oh non, ça va. Ah, j'ai l'aggro là. Non, non, il est KB. Oula, là là. Charge, en fait le tank c'est ça, enfin, il reste en stance défensive avec le shield de V et puis c'est tout, non? Bah, je crois que pour un lancier c'est pas très compliqué pour lancier, c'est suffit de monter comme le boss attaque. Et même quand il attaque pas, regarde. Ah ouais. On est avec prêt, un pick-up hein. De qualité. Bah écoute, ça qu'est-ce fait bien. Ouais, mais là il comptait pas son aggro. Ouais, mais il la perd pas non plus, donc je crois que c'est qu'il fait ce qu'il faut, c'est juste que le gameplay du lancier et tout ça de la voix. Je regarde la Fury. Non, là j'ai l'aggro. Mais let's give. Attention, attention. Ah! Ouh, de justesse! DPS, on a marché sur les pieds. Le DPS du groupe est fait principalement par le sens. On a des chiffres 7 à 30 fois plus puissants que le contrôle de base. Je pense que l'équilibre au level 20 est très très bon. Moi perso, je fais des 150 là. Ouais, 150 des fois du 300. Je sais pas ce que t'en vois. Bah moi je vais mettre un petit 2-4-6, c'est pas mal. Ouais, ça me paraît bien. On va récupérer un petit peu de mana, parce que ça consomme quand même. On va demander à notre avenir un tintin. Il y a le mana. Ah, je crois que c'est la fin du boss, donc il n'y en a pas trop besoin. Ouais, 3%. Ah mais il y a encore une phase. Non. Oh voilà. Ah si, ouais, c'était vite descendu finalement. Il y a un... Ouais, il y a un deuxième boss qui arrive. Ah ouais. C'est quoi? Bizarrement, ça a pas fait grand chose. La première fois qu'on l'avait fait. Ouais, c'est le boss de quête. Ouais, il était pas. Je me rappelle pas qu'il était là. Il était là, mais je vais d'abord tuer lui parce qu'il est l'autre. Je sais plus quoi, il m'a réveillé là. Ouais, j'aurais voilà. Pas le souvenir. Non, on a dû tuer lui, je crois. Oh, les amis. D'accord. Bravo la meute. C'était bien, il était par terre puis il s'est relevé.
Allez, loot time. Voilà, gestion des loots. Une deuxième lance dans l'instance, au cas où. Ouais, au cas où, si on avait pas de jeu. Ouais, mais du coup, les autres fenêtres, on est... On peut rien faire, on attend qu'ils cliquent dessus. Ok. Ça, ça m'intéresse. Ça intéresse tout le monde. Ouais, je pense. Oula, j'ai un... J'ai une chute de FPS, là, je comprends pas pourquoi. C'est pour prêtre, donc. Ouais, y'a pas de prêtre, donc très bien. Ouais, bah du coup, on va couper la vidéo ici. J'espère que ce boss vous aura plu. Il est un petit peu agressif et mobile. Et bah, je vous dis à la prochaine. Bye. Ciao.